But pour l'Olympique de Valence, Saïdovic. Pour l'Olympique de Valence, but Vial.
Yuzak. Pour l'Olympique de Lens, but Benjamin Rideau. Bon, Benjamin, un match à votre portée. Première mi-temps un peu hésitante, hein. On marque un but, ils égalisent. Après, bon, ça a été la déferlante. Ouais, c'est vrai qu'on a, attaqué tranquillement. Il fallait qu'on jauge l'adversaire. On a marqué rapidement. Après, on s'est fait avoir sur un contre parce que bon, on a quand même souvent la balle, donc on est exposé à des contres dans le dos. Voilà, c'est pas le premier but qu'on prend comme ça, mais voilà, ils sont revenus et après on a repris le rythme du match et on a été plutôt réaliste et après on les a fait craquer. On est confiant. On a que 3 points, ça veut dire qu'il y a tout qui peut se jouer sur un match, sur une journée. Là, Firmini, ils jouent leur maintien, donc ils sont très bien, ils sont tout à fait capables d'accrocher bon. Mais après, même si ce n'est pas aujourd'hui, il reste encore 2-3 matchs et peut-être ça sera la dernière journée, on ne sait pas. En tout cas, nous, on sait que tant qu'on reste comme ça, tant qu'on gagne, il suffit qu'eux, ils fassent un faux pas et après, on peut passer devant à tout moment. Donc, bien sûr qu'on est optimiste. Ouais, je pense. En tout cas, ça tourne mieux dans le jeu. Ça tourne un petit peu mieux depuis 3-4 matchs. Et aussi dans les vestiaires. On a eu une discussion parce que les résultats, ils étaient trop moyens. Donc les joueurs, ils se sont pris en main. Là, c'est vrai que ça tourne très bien. Après, il ne faut pas s'enflammer parce que ça arrive très vite de faire des mauvais résultats ou des mauvais matchs. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, ça se passe très bien à la fois sur le terrain et dans les vestiaires. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment en confiance. On a l'impression qu'il y a tout qui tourne pour nous en ce moment. C'est pour ça qu'on est en droit d'avoir espoir, on ne sait jamais. Voilà. C'est vrai, bah aujourd'hui, bah déjà, on confirme le match de l'ETRA où on avait mis une bonne équipe en place, on avait été bon. Aujourd'hui, ça s'est reconfirmé. Sur le plan individuel, sur le plan collectif, on savait qu'on devait gagner si on veut monter. Voilà, après on attend les résultats de Bron, mais en tout cas on a tout donné et je pense qu'on a fait un bon match, il n'y avait pas photo. Ça sera toujours un regret forcément, quand on est compétiteur, on veut finir premier, on veut finir en haut. On aura toujours un regret, voilà, on perd des points bêtement dans la saison, on le sait. Après voilà, c'est le foot, si on finit deuxième, déjà si on regarde sur le plan résultat, depuis la trêve on est invaincu. Voilà, si ça continue, après on aura tout donné et bah, on ne pourra rien se reprocher. Mais ça va nous faire le boulot avant tout et de confirmer les matchs qui arrivent. Ouais, c'était difficile, on n'était pas nombreux et on a fait un long match. C'est fait, on peut rien changer. On a lâché. En fait, on a vu que le maintien a été acquis et on s'est laissé aller. Oh, Maurice, ça a été dur aujourd'hui, hein, 9-1. Bon, la défense a été un peu dépassée par le collectif valentinois. Oui. Qu'est-ce qui a manqué à Aix aujourd'hui? Bah, on a manqué tout, hein, parce qu'on n'était pas dans l'impact et puis on a joué avec que des jeunes en fait. Et du coup. Oui, j'ai vu que ça a été dur, toi qui as de l'expérience. Oui. Qui a vraiment de l'expérience et qui avait des jeunes. Ça a été un peu dur pour les gérer derrière? Oui, ça a été dur à partir du moment où les adversaires ne sont pas cadrés. Du coup, nous les défenseurs, on prend l'eau. On n'a pas pu réagir. Et dans l'ensemble, on n'a pas été bon.